Bonjour à tous. Alors, je reviens que maintenant parce que j'avais rendez-vous chez le Corinne. Voilà. Je ne suis pas malade, hein, je me soigne toute seule. Simplement, vous savez que je suis handicapée et je n'ai pas fait attention. Voilà. Mon dossier handicapé n'est plus valable. Donc, voilà. On ne me paye plus. Très impeccable, comme ça au moins au lieu d'être une citoyenne, je suis souveraine. Voilà. Parce que il leur faut 6 mois quand même pour faire un dossier, hein. Vous savez, même s'il n'y a pas de changement dans le dossier, parce que je n'ai pas été opérée, hein, parce qu'il y avait le corona circus, hein, voilà, eh bien, faut 6 mois. Bon, assez impeccable. Alors là, on pourra dire que je vole les sous à Gaëtan parce que Gaëtan va être obligé de nourrir maman. C'est con, hein? Voilà. Petit clin d'œil au petit troll là qui raconte de la merde. Voilà. Alors, ici, je reviens pour le message de mes guides. Vous savez que j'ai eu. Alors, je le redis pour ceux qui n'ont pas écouté mes vidéos précédentes. Voici le message que j'ai eu. 22. Regardez, soyez prêts, n'ayez pas peur, il faut mettre fin, magie. Mauvaise personne, mal, menteur, propagande pour argent, dites non, protégez-vous, surtout pas, enfant, aidez-vous, tous amour, et là on m'a répété encore 22. On me casse les pieds avec le 2, puisque cette nuit, j'ai regardé l'heure, il était 2h02. D'accord? Voilà. D'ailleurs, je ne me souviens plus de cette heure miroir, mais je regarderai après ce que c'est. Donc, ici, ce que j'ai envie de demander à mon pendule, puisque nous sommes le 21, c'est si on me parle de 22 février. Si c'est non, 22 mars, 22, enfin voilà, ou si c'est de l'année 2022. Comme vous me l'avez mis dans vos messages, on parle certainement de l'année 2022. Moi, j'ai l'impression que demain, il va se passer quelque chose. En tout cas, c'est le message que j'ai, puisque en plus, mes guides ont dit, soyez prêts, n'ayez pas peur. D'accord? Bon. Je n'étais pas très à fond dans ce message puisque j'avais les petits-enfants à la maison. Donc je n'étais pas concentrée et donc il y a des choses que je n'ai pas tout compris. Et moi je ne les appelle pas, j'attends qu'ils viennent. D'accord? Voilà. Donc on va essayer de voir avec le pendule et les cartes ce qu'ils veulent nous dire. Donc je vous laisse la vidéo sur mon pendule et nous allons voir. Donc, le pendule, quand il dit oui, il tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Quand il dit non, il tourne dans le sens inverse. D'accord? Voilà. Donc ici, on va leur demander. Donc, je vous montre. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire oui? Voilà. Vous voyez le sens. D'accord? Stop. Pouvez-vous me dire non? Voilà. D'accord? Alors, ne croyez pas que ma main bouge, non, c'est parce qu'il n'y a pas de stabilisateur. Alors, suite au message que vous m'avez donné, est-ce que vous parlez du 22 février? On est bien d'accord. D'accord? 22 février. Alors, j'ai noté quelques questions. Alors, qu'est-ce qui va se passer le 22 février? Est-ce que c'est les vérités sur le coco qui va être divulgué. Alors, oui, regardez. Demain, on devrait avoir des vérités sur le coco. On en a déjà tous les jours. Stop. Est-ce qu'il va y avoir des vérités sur le trafic d'argent venant du... Oui. Vous avez vu? Ils disent oui, hein? Stop.
Alors, est-ce que nous allons avoir les vérités concernant les arrestations? Oui, stop. Est-ce que vous nous parlez alors de ce grand réveil? Est-ce que les vérités vont éclater demain concernant le grand réveil? Alors, vous voyez, voilà, on nous dit oui, d'accord? Stop. Alors, est-ce que ce grand réveil, est-ce que ces vérités peuvent être retardées de quelques jours? Ah, peut-être. D'accord? Peut-être. Alors, on va demander à la planche. Donc, je prends cette planche. On va évoluer au pourcentage. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que les divulgations concernant le coco vont être faites demain? Est-ce que les vérités concernant le coco vont être faites demain? Bon, voilà, vous voyez, on nous dit peut-être parce que là, c'est pareil, ça balance doucement et ça nous dit oui à 50-60%. Ça monte pas plus loin. D'accord? Alors, stop. Vous nous parlez des vérités concernant le trafic d'argent par ce gouvernement. Est-ce que ces vérités vont être divulguées demain, le 22 février? Alors, on nous dit oui, ça on a compris. Est-ce que les vérités concernant le trafic d'argent par le gouvernement aura lieu demain, s'il vous plaît? Alors ici, c'est pareil. On nous dit oui, et ça balance vraiment. Alors ça nous dit oui, et en même temps, ça balance sur les pourcentages. Quel pourcentage de chance nous avons concernant ces vérités de trafic d'argent, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est pareil, c'est oui à 50-60%. Bon. Stop. Vous nous parlez des vérités qui vont être dévoilées concernant les arrestations des gens haut placés. Est-ce que ces vérités sortiront demain, le 22 février? Bon, encore une fois, on a oui à 50-60%. Bon. Ah là 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 là. Alors, c'est pas très élevé tout ça. Hein? Voilà. Alors, apparemment, c'est ce grand réveil hein, que vous entendez parler depuis longtemps. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Et on parle bien du 22 février. D'accord? Voilà. On ne parle pas d'autre chose. Alors, attendez, on peut toujours demander. Voilà. On peut même changer de pendule pour voir. Hein, voilà. Je prends celui-ci. Alors, concernant vos messages que vous m'avez donnés, est-ce que quand vous parlez de 22, vous parlez du 22 février? Oui, vous voyez? Est-ce que le 22 février, les vérités concernant ce coco-virus, ce coronacircus vont être dévoilées? Est-ce que les vérités sur le... Alors, vous voyez, on a un oui. D'accord?
est-ce que les vérités concernant le trafic d'argent par le gouvernement aura lieu ce 22 février? Vous voyez, on a un oui. Stop. Alors, est-ce que les vérités concernant les arrestations des gens haut placés seront divulguées ce 22 février? Alors, moi, je pense que oui, mais une autre question me vient en tête. Est-ce que toutes ces divulgations seront dites aux médias? On a un beau oui, vous voyez? Ah, bon. Alors, le grand réveil, hein, vous savez, hein, on en a assez parlé. On va demander au monde invisible, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à demain, le 22 février, demain, oula. Alors, ici, on a le secret de Camelot, autorité divine. Le secret de Camelot. Ici, nous avons la déesse du printemps. Liberté, action, pouvoir. Regardez. Liberté, action, pouvoir. L'autorité divine veut vous rendre votre liberté. D'accord ? Elle passe à l'action, elle prend le pouvoir. Voilà ce que moi j'entends. Ensuite, nous avons le miroir. Autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Alors ici, ce que je vois, l'autorité divine intervient, passe à l'action, prend le pouvoir pour nous rendre notre liberté. Il y a, avec le miroir, un effet boomerang. Et, autre vie, vie multidimensionnelle, ça pourrait venir des galactiques. Autre vie, d'accord? On pourrait peut-être aussi vous parler divulguer les clones. Non? Divulguer les clones. Ah, les amis. Allez, on va demander à l'archange Michael. S'il vous plaît, archange Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour demain, 22 février, s'il vous plaît. Bon, alors vous avez vu, on a vu que peut-être hein, ça allait être un tout petit peu retardé, hein, d'accord? Alors, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Ça, c'est déjà une prière que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui. D'accord ? Parce que, comme je vous l'ai dit, quand les vérités vont tomber, il y en a qui vont tomber des nues. Ils auront du mal à vraiment croire ce qui se passe. Vivre aussi longtemps dans un film va être très compliqué pour certaines personnes. La deuxième carte. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ma prière, mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue.
voyez, demain, il va y avoir un miracle. D'accord? C'est inattendu. Alors, il y a des gens qui m'ont mis en commentaire que oui, beaucoup de monde parlait de demain, du 22-2. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder, donc je ne sais pas. Malheureusement, j'aimerais bien savoir qui voit comme moi. Ça serait trop génial. Mais on ne fait pas de pub sur ma chaîne. Donc, je comprends. Maintenant, si vous voulez m'aider à comprendre qui voit comme moi, vous pouvez mettre le message sous ma vidéo, hein, puisque les messages, c'est moi qui les accepte. D'accord? Donc, je ne les publie. Pas puisque je ne fais plus de pub pour personne. Vous comprenez? De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et là vous décrivez la situation. Donc voilà, vous pouvez demander pour tenir le coup, hein, voilà, pour avaler cette pilule. Hein. Voilà. Donc, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation et utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit. Et vous avez vu que le pendule dit 22 février. D'accord? Oh là, le jugement. Donc, c'est peut-être ça qu'on va apprendre demain. D'accord? La loi d'attraction, la justice divine, vous savez qu'on prend toujours l'effet miroir, le boomerang, hein? Voilà. Qui s'est donné, c'est recevoir. Voilà, vous voyez? Voilà, donc c'est peut-être ça, le jugement. S'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire pour ce 22 février? Où vous nous dites d'être prêt, de ne pas avoir peur. L'estime de soi et la raison d'être. Alors, je pense qu'ici, par rapport magie, mauvaise personne, mal, menteur, d'accord? Propagande, argent, jugement. Dites non, protégez-vous, surtout pas enfant. Estime de soi. Vous avez les capacités de dire non. D'accord? Raison d'être. Soyez prêts, n'ayez pas peur. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres nouvelle vie. Voilà. Donc, il va falloir, demain, il y a des choses qui vont déclencher cette nouvelle vie. D'accord? Voilà. On va prendre l'ange gardien. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, les anges gardiens. Pour demain, oula, il y en a beaucoup. Bon, alors, on va quand même les prendre. Guérison. La guérison va commencer. Donc, vous voyez, ça va aller mieux. Gentillesse. Ouvrez votre cœur aux autres. D'accord? Parce que quand les vérités vont tomber, je vous dis, il y en a qui vont avoir besoin de notre soutien. Contact. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande. Donc là, je pense, hein, que cette équipe satanique a demandé de ne pas divulguer, malheureusement, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut remettre de l'équilibre. D'accord? On a besoin d'équilibre. On a besoin aussi de notre liberté. Il faut comprendre ce qu'on veut. OK? Regardez, soyez prêts, n'ayez pas peur. D'accord? Il y a le progrès. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a le choix. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc, vous verrez bien comment vous prenez
la situation qui arrive, et la situation qui arrive, c'est le changement. Donc il n'est pas difficile de changer, d'accord? Il faut le vouloir. Ça sera à vous de faire le choix. Voilà. Les révélations seront rudes, hein, ça on le sait, c'est pas nouveau. Et ça fait 2 ans que ça dure, donc je pense qu'on a assez attendu et on ne peut plus encore attendre 107 ans. D'accord? Alors, s'il vous plaît, les anges. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Alors, c'est vrai que, voilà, par rapport aux personnes qui ne sont pas éveillées, d'accord, on a résisté au changement. Et cela va provoquer un chaos. Souvenez-vous, message de mes guides. Il faut mettre fin. C'est un chaos. D'accord? N'ayez pas peur, soyez prêts. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. D'accord? Donc ça a pris du temps. On a essayé d'éveiller les gens qui ne sont pas réveillés. On en a réveillé quelques-uns et heureusement, d'accord? Voilà, on y est allé par étape, par cycle. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Donc, si on veut que les choses s'améliorent, hein, il faut le désirer. Le problème, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. Vous savez que maintenant, ils passent à la vitesse supérieure puisqu'ils veulent numéro, hein, voilà, que les enfants sont concernés. Donc, là, ça devient de plus en plus urgent, ok? Parce que vous savez, vous êtes libre de ne pas le croire, hein, parce que certaines personnes qui se disent dans la lumière vous dit qu'il n'y a pas d'enfant en danger, là, moi, je vous dis l'inverse. Et j'ai encore reçu aujourd'hui un email, et je ne sais pas pourquoi, ni comment, et non. Non, non, une personne qui a mis un lien sous mes vidéos, ou un médecin canadien, je crois, un truc comme ça, dit bien qu'il y a eu beaucoup d'enfants de partie et que ça va encore durer, ce poison-là, 5 ans, hein. Donc, quand je vous dis que c'était vraiment un poison, c'est pas pour vous faire peur ou vous embêter. C'était simplement pour vous protéger. Alors, message de ton âme, s'il te plaît. Alors, on nous dit qu'il va se passer des choses demain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Il faut reprendre nos esprits. D'accord? S'il vous plaît, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors ici, moi je vois vraiment, vous voyez, vidéo, là, l'heure de la vérité, hein. D'accord? Et il faut reprendre nos esprits. Enlevez ce cadenas que cette magie vous a infligé. Alors, avez-vous encore un message à nous donner, s'il vous plaît? Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose.
D'accord? Alors, ici, moi, je vois que il y a des vidéos qui vont être très dures à regarder. D'accord? Alors, inspirez un grand coup. Saine, respirez. Respirez, d'accord? Osez regarder ce que vous n'avez pas vu avant. Osez regarder la vérité en face. D'accord? Voilà. Je vais alors prendre peut-être qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, la réponse angélique. Va demander à la réponse angélique. Alors, il y a déjà deux cartes qui tombent. Confiance, demandez à vos anges. Allez. On va demander qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire pour la journée de demain, 22 février. S'il vous plaît, que vous pouvez nous dire pour la journée de demain. Message de mes guides. Repensez-y. Nul besoin de s'inquiéter. Que pouvez-vous nous dire concernant le message de mes guides concernant N2? D'après le pendule, 22 février. Alors, on nous dit non. Non quoi? Ah, d'accord. Alors, repensez-y. Nul besoin de s'inquiéter. Non. Peut-être falloir attendre un petit peu parce que vous voyez, il va peut-être quand même y avoir un petit compromis. D'accord? Le compromis, c'est non si on ne met pas un peu du nôtre, puisque ça va dépendre de nous. D'accord? Alors, attendez, parce que je ne me sers pas du livre, puisqu'il est assez parlant. Mais ici, il y a deux noms. Donc, il doit y avoir. Deux interprétations différentes. Alors, non. Non, celle-ci. La réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu et en piochant une autre carte. Donc, c'est bien ça. Vous voyez, il va peut-être y avoir un compromis, c'est. Va falloir que ça dépende aussi de nous. Hein? Mais vous savez, hein, tout à l'heure, le pendule a dit peut-être, hein, d'accord? Alors, ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter, d'accord? Et ici, la réponse à ce non, ici, la réponse à votre question est un non. Définitif, nul besoin de s'inquiéter, cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Donc, faut pas s'inquiéter. Mais alors là, ouais, vraiment ici, on nous dit que peut-être qu'il faut penser à ce qui va se passer, d'accord? Et surtout ne pas s'inquiéter. Voilà, d'accord? Voilà. On a dit, n'ayez pas peur et tout le train-train. D'accord? Donc ça correspond. Regardez, hein? Ben repensez-y. D'accord? Voilà. Le compromis. Ce nom-là, c'était. La réponse est non, vous pouvez recueillir des informations supplémentaires. Donc, vous voyez, il va peut-être y avoir un compromis, mais qui va nous ouvrir nos yeux. D'accord? Encore une connerie.
Le compromis ne serait-il pas un confinement qui arriverait ces jours-ci, qu'on entendrait déjà parler demain? D'accord? Et ici, ça dépend de vous. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire dans ça dépend de nous? Exceptionnellement, exceptionnellement, on va lire le petit résumé du bouquin. L'issue de la situation pour laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains. Donc, c'est bien les vérités. Voilà, ici, on connaît la réponse, d'accord, avec ça dépend de nous. Mais les autres, là, vont encore essayer de nous la mettre à l'envers. Vous pouvez influencer le résultat en choisissant une approche proactive afin de relever tous les défis. Comptez sur vos propres moyens et soyez assuré d'avoir tout ce qu'il faut pour arriver à une fin heureuse. Alors, on connaît déjà la réponse, on connaît ces révélations, d'accord? Et moi, je pense que les autres vont essayer de négocier, mais ils n'y arriveront pas. C'est non. D'accord? Non, non. Je pense que c'est ça. Pouvez-vous compléter, s'il vous plaît? Parce que là, c'est bien compliqué. Et pouvez-vous compléter les noms? Moi, je veux savoir pour les noms. Ça va pas se passer. Pourquoi vous nous sortez les deux noms? Pense qu'il va y avoir un début de divulgation demain très short. Hein? D'accord? Je pense que c'est ça. Bon, je m'écris des doigts en plus, moi. Alors là, ça devient grave. Alors, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour moi, il y aura certainement un début demain. J'entends apparition galactique. Peut-être des petits détails. D'accord? Et puis, tout sera vraiment dévoilé dans les prochaines semaines. Mais encore que ça me gêne. Moi, je pense que, repensez-y, voilà, on va nous dévoiler des choses. Pas tout. D'accord? Je pense que ça va démarrer demain. Pas besoin de s'inquiéter. Je pense que ça va démarrer demain. Et non, regardez, on a sorti le non. Juste après, on a sorti le compromis. Et après, on a encore ressorti le non. D'accord? Donc, pour moi, il n'y aura plus aucun compromis possible. Mais plus vite ça ira si on bouge. Ça va dépendre de nous. D'accord? De comment on va intercepter ces vérités. Voilà. Et pour moi, ici, dans les prochaines semaines, hein, tout sera fini. Moi, j'irai fin mars. Voilà. Il va falloir, je pense qu'ils vont. Voyez, regardez, avec ces cartes ici en plus, il va falloir prendre conscience de ce qu'on vous avoue. D'accord? Voilà. Bien s'instruire sur toutes les vidéos que vous allez voir, toutes les vérités qui vont sortir. Ils vont y aller petit à petit. Et après, ce sera à vous d'oser. De reprendre votre liberté, de revivre comme avant, de dire ce que vous pensez, de dire non à certaines saloperies, hein, voilà, d'accord? Et c'est notre comportement à nous qui fera qu'il n'y aura pas de compromis possible, voilà, d'accord? Il faut absolument, vous voyez, regardez, ici on avait même le choix, d'accord? Le choix sur le changement pour notre liberté. Donc, ça correspond bien à ça, hein? Alors. Alors, est-ce que ce 22 février sera que le début des vérités?
Est-ce que ce 22 février sera que le début des divulgations de la vérité? Oui, vous voyez? Est-ce que ces divulgations dureront plusieurs semaines? Oui. Alors, souvenez-vous que je vous avais dit, parce que voilà un autre message. Souvenez-vous que je vous avais dit que une fois que les divulgations auront commencé, d'accord, l'armée prendra les rênes pour ingérence, que nous rentrerons dans une colère du peuple, d'accord? Que ça tournerait à une révolution qui durerait environ 3 semaines. Où je vous avais dit qu'il fallait faire des réserves. D'accord? Voilà. Je crois que je comprends mieux le système. Alors, ici, on a le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. L'amour. Restez dans l'amour, vous avez vu, message de mes guides. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Il faut s'élancer, il faut plonger, d'accord, dans ces vérités. Tout en restant dans l'amour, sans juger les autres, d'accord, et tout en restant lucide pour mieux comprendre les choses. Voilà. Je pense que cette interprétation n'est pas mal. Je pense que c'est ça. Je peux bien entendu me tromper. Mais moi, je pense qu'à partir de demain, il faut faire attention. La télé. Alors, est-ce qu'on pourrait demander... Est-ce que toutes ces vérités vont sortir à la télé à partir de demain? À la télé à partir de demain, c'est non. D'accord? Est-ce que nous allons trouver des vidéos sur les réseaux sociaux avec les vérités de tous ces arnaques à partir de demain? Peut-être. Est-ce que vous parlez des galactiques? Est-ce que vous parlez des galactiques? Oui. Est-ce stop. Est-ce que nous allons les voir à partir de demain? Oui, vous voyez? Stop. Est-ce que l'armée va prendre les chaînes des médias à partir de demain? Est-ce que l'armée va prendre les chaînes des médias à partir de demain? Non. Bon, écoutez, pour moi, je pense que demain, il va y avoir des jugements dont nous ne sommes pas encore au courant. Voilà. Et qu'il faut bien regarder sur les réseaux sociaux pour en être informé. D'accord? En tout cas, je pense qu'on va découvrir des choses concernant le coco
le trafic d'argent et les arrestations. Alors, quelquefois, vous savez que c'est dans l'humour, la rigolade, d'accord? Quelquefois, c'est des petits détails qui doivent nous faire tilt, d'accord? C'est pour ça qu'on doit s'instruire, vous avez vu, à travers les vidéos et tout le blabla, hein? Donc, écoutez, moi, je vois ça comme ça. Je pense que, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je vais encore rester un petit peu. Ça va être une vidéo longue, je suis désolée, mais on a besoin de comprendre. Qu'est-ce qui va se passer à partir de demain 22? Alors, ici, on a les gilets jaunes, les revendications, les oppositions, les déterminations. On a l'Europe, la coccinelle. Est-ce que c'est pas à partir de demain? Que ce convoi va réussir. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre message que vous m'avez donné? Hôpital. Oiseau. Donc, on va apprendre aussi, vous voyez, hôpital oiseau. Les oiseaux, c'est des communications, d'accord? Concernant les hôpitaux. L'infortune. Le travail. Ah, mais... Moi, je pense qu'on va avoir des nouvelles aussi sur les soignants qui ont perdu leur travail. Puisqu'ici, on a la carte du retour. Et on a la carte de l'Amérique du Nord. Donc, peut-être regarder par là, hein, d'accord? Quelque chose qui se passerait au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Bon. Oula. Vous voyez, on a les amis, on a la campagne et la paix. Des amis qui ramènent le calme, la tranquillité, qui viendraient bien de l'Amérique du Nord. Alors, s'il vous plaît, mais je pense à ça, Canard n'a pas ouvert un réseau social? Il est ouvert ou pas? Je ne sais pas, moi je n'ai pas regardé. Regardez, qui ramène le calme, la tranquillité sur la maladie, sur les soins, sur les médecins, hôpital, médecin. Regardez, on a de l'aide qui arrive, de l'aide qui combine quelque chose. Il faut examiner, vous voyez, examiner ce qui se passe. Mais je n'avais pas vu que... un convoi du Canada allait arriver. En Europe? Ah, mais c'est peut-être ça. Donc, plus des vérités qui vont arriver par communication. Donc, ça peut être Internet et tout ça. D'accord? Concernant cette histoire de santé et de personnel soignant qui ont perdu leur travail. Alors, ici, on a... Voilà, regardez, ça va nous amener une solution, ça va nous ouvrir une porte, d'accord? Il faut rester positif. Rester fort, d'accord? Regardez, ici, ce n'est pas le bon moment.
Mais la carte est à l'envers. Donc c'est le bon moment. C'est le moment choisi. Le moment choisi. Flamme feu et le choix. C'est le bon moment. Il faut résister aux épreuves, d'accord? Garder nos énergies positives. Faire le bon choix. Avoir son libre arbitre et sa liberté de choisir, d'accord? Pour détruire ces mauvaises personnes. Magie. Mauvaise personne, mal, menteur, propagande pour argent. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'à partir de demain, on va entendre parler de choses, de vérités qui vont sortir, hein. Regardez, je fais une coupe, le cadeau, d'accord? Le cadeau est ici la colère. Hein? Un cadeau qui malheureusement va provoquer de la colère parce que ben voilà hein, tout ça vous savez que ça va mettre le feu aux poudres hein. Ça va provoquer de la colère quand les gens vont savoir qu'ils ont été épicousés pour rien. Trahi, trompé. Moi, je comprends bien que ça va mettre ouais, les gens en colère. Voilà. Bon, écoutez, faut regarder. Hein, qu'est-ce que je pourrais peut-être demander? On va redemander quand même, d'accord? Alors, vous m'avez parlé du 22. Est-ce le 22 février? Donc oui. Est-ce que ça aura vraiment lieu le 22 février, s'il vous plaît, de cette année, bien sûr, 22 février 2022. On nous dit peut-être. Alors, si ça n'a pas lieu le 22 février, à quelle date ces révélations auront lieu? Alors, attention, on me dit quand même février, encore, d'accord? Alors, vous me dites, est-ce que vous me dites bien en février? Donc oui. Alors, si ça n'a pas lieu le 22 février, à quelle date cela aura lieu? D'accord. Donc, on me dit 22, 23, 24. 3 jours. 22, 23, 24. 3 jours. 3 jours noirs. 3 jours de divulgation. 3 jours de grand réveil. OK? Après ces 3 jours de divulgation de grand réveil, si les gens ne comprennent pas, alors, ça sera malheureusement, tant pis pour eux. Voilà le dernier message. OK, j'ai compris. Eh bien, j'espère que vous êtes comme moi et que vous avez tout compris. Donc, il faudra surveiller du 22, 23, 24. Ça peut commencer le 22, d'accord? Et ça sera 3 jours de grand réveil. Donc, le 22, ce sera des petites divulgations pour moi. 23, un peu plus. Et 24, beaucoup plus. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.